L'ancien premier ministre Vince Paul, c'est un homme qui a une pile sagesse. Divergence politique au monde avec elle, certaines fois pas même j'aime beaucoup occasion vraiment pour attendre. Parce que son est qui gagne une maîtrise, son est quelquefois qui discute très bien, il a des capacités au fait pour parler. Ou qu'a toujours un problème à clé. Moi je dis ça. Mais au cas où, non, monsieur, son est qui expérimenté, son est qui gagne volonté, son est qui voulait avancer avec la ville, son est au fait qu'il y a bataille pour qui s'attaque en fait, mesdames, messieurs. Monsieur était dans Radio Télé Métropole, monsieur parlait, monsieur dit en pile causé, et interview ça, monsieur était nous baraté, monsieur était nous tenir toutes. Même j'ai en moyenne, nous t'en dis toutes émissions déjà, mais il y a une raison pour d'armer nous t'en dis toutes, c'est parce que il y en a qui ont fait une heure de temps, la petite, des bagailles qui ça, qui t'a capable de déranger le monde, suivant la question, mais qui t'es capable d'aller à l'intérieur des pays, hein, ou capable de n'importe quel problème avec monsieur. Mais interview ça, on va t'en dire, on va que monsieur gagne une maîtrise, son équipe expérimentée. Et il y a des trois questionnements qu'on a toujours fait parce que monsieur en 2004-2003, monsieur était un modèle opposition qui était dur. Monsieur était gagné un petit petit divergence par là avec pouvoir en place là. Et au fait, on sentit monsieur Zedoné qui était en bataille contre l'exil. Bon. Même qui était notre des events. État de siège et il y a une référence. Aux articles 278, 278.2, 278.3, 279. Et gon loi qui était datée de 13 avril 1880. Yon l'autre loi 7 septembre 1951 qui était instituée manuel de justice militaire qui baille provision légale pour état de siège. Là. Et état de siège, pour qui ça? Parce que faut le durer un moment. Qui baille l'État autorité pour prendre des mesures d'exception. Par exemple, si arrête un monde, fait aucun bel 48 heures. Eh bien, l'État d'urgence là, il est capable de dire bon, il y a aucun bel monde plus que ça pour y faire enquête, pour y faire. Parce que des fois, on entend qu'il y a arrêté un monde, même si le monde n'a pas pour le pour s'arrêter là, mais il y a aucun bel en prison, au-delà du délai légal, et puis après ça, ils font une action en habeas corpus, ils obligent la guille. Alors, nous avons besoin de faire état de siège là et lui demander une planification pour une capacité d'action. Il faut renforcer force armée, face à la police, lui veut dire quand même nous avons l'armée qui l'a, et toute la force que l'État a utilisée. Que ces compagnies de sécurité privée, si l'État est capable de dire bon, comment est capable de réunir toute compagnie, ça, comment on peut jouer un rôle, nous pour temps. Nous avons fait un an avec Covid. Bon, je dis à l'école pour le faire, mais de temps en temps, bandits ferment pays et ferment zone sud pendant un an. S'il faut appliquer l'état de siège pendant un mois, pendant deux mois, pour jouer une solution à problème, la question que la souveraineté internationale, ou exercer sur l'ensemble du territoire, automatiquement, il y a des zones que l'État n'a pas contrôlées. Il y a un problème. Alors, moi, je crois que l'état de siège, là, c'est mesure légal qui va correspondre à la situation. Il y a des gens qui peuvent lire parce qu'ils rappellent à un moment déterminé qu'on appliquait l'état de siège pour persécuter les gens qui étaient opposants au régime Duvalier, par exemple. Mais je dis à nous qu'il y a des bandits qui ont crasé le pays, kidnappé les gens, tué les gens, qui mettent le pays à genoux. Et si pas il y a un effort qui fait, pas une mesure qui fait pour mobiliser que c'est anciens policiers, parce que dans l'état de siège, on a mobilisé des volontaires tout. Anciens policiers, anciens militaires, tout le monde qui voulait dire ma pote coller, mon expertise. Est-ce que vous avez dit civil tout, les civils? Tout le monde qui voulait, mais maintenant, l'État planifié. Parce que si nous quittons chaque groupe monde faire affaire par eux, nous avons tombé dans l'autre ambiance de guerre civile anarchique. Vous comprenez? Ou avez sorti nos problèmes ou tomber dans l'autre. Vous capable de gagner un groupe monde qui dit bon, au lieu de ce groupe bandit ça, moi-même, moi m'occupe le territoire tout.
je pense que faut faire tout ça possible pour que le pays ne pas venir diviser, ne pas venir gagner un petit groupe. J'en ai rien. Ou pas venir changer, ou seulement changer chef, ou changer attitude. Il faut le faire sous commandement de l'État. Et ça fait un mouvement citoyen doit porter l'État à adopter une mesure qui est forte, une mesure qui répond, une mesure limitée dans le temps, qui est capable de bailler résultat pour résoudre le problème Matissan, résoudre le problème Croix des Bouquets, problème Torcel, problème Bernier. Il faut un bagage qui fait. Et il y a une urgence pour le faire. Monsieur Paul, là, c'est lorsque nous avons considéré Bandi à sa patte, organisation ça, de société sous haute supervision, sous contrôle l'État, c'est parce que nous seulement ciblé moun à sa patio bandi qui a des armes et l'autre bandi à cravate qui des bureaux qui a commandé des armes et qui a même des bandits qui travaillent pour eux. Comment vous pensez que nous sommes capables de vivre sur eux? Mais il faut dépister tout. Il faut dépister, pas une limite. Dans le commencement de l'émission, on me dit ça. Bandi, c'est bandi. Ce n'est pas le niveau social qui fait le bandi. C'est Zach qui commet là. Quels sont les gens qui ont le pouvoir de l'État, qui ont le bail service, mettre l'ordre, c'est lui qui a fait des ordres. Si vous pouvez son bandi, eh place-le dans la prison. On va appliquer la loi contre lui. Quels sont les petits qui ont sa patte dans le pied parce qu'il met sa patte, parce que le bail est baissé. Parce qu'on a des mythes tout dans le pays, il y a des fois que les gens disent pour qui ça les bandits, ils vont vous amener, ils vont faire kidnapping et puis nous voyons à sa patte. Mais il y a des mythes, parce que les mythes là, il y a des fois. Donc là où tu as dit la police nationale pensait à créer une unité qui ne va pas passer tout? Bon, elle ne fait pas passer, c'est mythe. C'est mythe lié. Mais selon ça, m'entendez dans la rue, là où il y a sa patte, ou bien au pied à terre, c'est parce que pour ne pas passer, faut pied à l'air. Faut pied à pas fermer en don soulier. Bon, c'est mythe. Bon, il y a des policiers qui peuvent, mais qui pas peur. Il y a l'autre ressource dans le pays à tout qui pas peur. Mais est-ce que la ressource qui pas peur, ça, est-ce que le pari lui-même? Est-ce que le pari? Il y a des gens qui parient. Moi, je connais des gens qui parient. Je connais des gens qui dans l'armée qui parient. Je connais des gens qui dans l'autre. Qui n'a pas qu'un collègue, qui n'a pas besap, qui a des mouns qui parient, qui captent l'ordre. Non la police là, tout grand pile, mon gars mouns qui découragé. D'ailleurs policiers ont pensé que si on pas fait rien à privé sur eux, c'est eux cible là qui fait. Et autorité autour à privé sur eux tout tôt ou tard. Il a privé sur eux. Oui mais l'ordre ça même quand elle de sortir et s'il pas arrivé, il pas atterri. Pour qui ça? Est-ce que c'est dans le ciel que ça a sorti? Ça a passé, M. Paul? Non, je pense que nous gardons, en français, que le laxisme, une sorte de vague. Le coup, elle a passé par un monde qui montrait ses problèmes par eux. Il va même exprimer des désarroi, des appointements. Et c'est ça qui dérange les citoyens. Il n'a pas même dit, bon, n'a pas travaillé, ou pas présenté un plan, ou t'as présenté un mauvais plan. Mais comme nous sommes citoyens, ou bien un pilote citoyen, capitaine de la cap garde là, qui pensait que nous cafons un bagaille, faut faire un bagaille. Est-ce que c'est parce que le pouvoir en place n'a pas de contre-pouvoir? Là, je fais allusion à parlementaire qui. Bon, il y a même tout chargé avec un pile problème parce qu'il y a un pile monde qui dit que situation ça que nous y est là je veux dire en pile parlementaire pour de bon là-dedans parce que il y a un monde qui était contre la sécurité dans la campagne yo, après monde ça fin arrivé sous pouvoir il y a pas reprendre ami donc bandit ça dans la nature a créé problème partout. Mais alors pour retourner à ça me veut dire il y a un monde qui pensait que c'est parce que le pouvoir en place n'a pas de contre-pouvoir, pas gain, il y a pas gain en face, il y a pas gain redevance non plus parce que c'est pas peuple qui était élu. Bon, moi-même, je pense que depuis que nous sommes au pouvoir, nous devons à la population, nous devons à le peuple. Et nous avons des choses obligées à faire, nous avons une mission. Et la mission, c'est répondre à la revendication de nous diriger. Quel que soit le genre qui est là, les secondaires par rapport à la responsabilité que nous avons. Lorsque nous n'avons pas senti en confiance, lorsque nous n'avons pas de respect pour nous, lorsque nous n'avons il y a un sentiment qu'on l'a gagné et laisse la société en débandade net. Et c'est perception ça
qui gagne aujourd'hui, qui fait crise la plus grave. Ce n'est pas le fait que gagne bandit, parce que Fromm dit que ce n'est pas seul. En Haïti, il y a une situation de bandit. Mais c'est le fait qu'un pile monde gagne un sentiment, et c'est la réalité, que bandit a, c'est lui qui est en contrôle, autorité au Baïvan. M'pas le contredire, non, M. Paul, mais nous avons l'impression d'un pile l'autre côté. On prend le cas, par exemple, de. Au Brésil, il y a pile bandit, il y a ghetto, il y a favela, Salvador, pareil. Mais on a l'impression que l'autorité a contenu bandit. Pas gain vraiment des zones de non-droit à côté que moun pas capable circuler et que bandit a pris contrôle par la justice pendant plusieurs jours, pas gain ça non. Non, il pas qui était arrivé jusque là. Capable gain des zones de non-droit temporaires. Même aux États-Unis, Chicago, d'un côté gain zone de non-droit, ça existait. Mais l'y gérer, il pas qui était là, il était quoi yo. Comprendre. Et le plus souvent, il y a plusieurs facteurs sociaux. Mais dans le cas pays d'Haïti, il a dégénéré. Dégénéré, bandit, c'est lui qui a taillé, bandit est arrivé. L'entrée, bon, que c'est bandit national ou international, l'entrée, quand il y a un président de la République, il est assassiné. Parce que ça fait partie d'un bien général, l'insécurité. C'est ça. Dis-nous, est-ce que M. Paul, pour le renouvellement du mandat de BINU, ou bien du BINU en Haïti? Bon, il faut que nous songions depuis 1993, une succession de missions qui passent en Haïti, BINU, IA, MISIVI, etc., MINISTA, MINIJUS, juste où il vient dans BINU. Plusieurs. Mais maintenant qu'on y a, si on a parlé de BINU, on regarde qui ça mandat. Si c'est dans quatre mandats, ça y a pour nous voulons BINU en Haïti, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit. Ça c'est le premier mandat. Deuxième, non, c'est préserver un environnement pacifique et stable, y compris en appuyant un dialogue national inclusif entre Haïtiens. Trois, protéger, promouvoir les droits humains. Mais chaque mandat BINU. Si c'est dans le cadre du mandat, ça, il passe déjà, il fait tant, il renouvelé deux, trois fois déjà. Je ne sais pas quoi c'est ça, il y a tant de jours. Donc, il est échoué. C'est sûr, pas de résultat. Même gens, même si échec là, c'est échec haïtien. D'abord, il n'y a pas de grande mission dans le pays. Moi, pense, si on renouvellement de mandat, faut que gagne l'autre mission. Première mission, c'est bloquer vannes à la munition qui a entré dans le pays. Pour moi, même, c'est aspect essentiel que nous avons besoin aujourd'hui. Et ça, l'État haïtien n'a pas fait pour contre lui. Quelle que soit la volonté. Parce que nous avons un commerce avec l'autre pays, nous avons une frontière terrestre avec un pays, et plus de près de 400 km de frontière avec la République dominicaine. Et nous avons, en plus, nous avons une frontière maritime avec 7 pays. Dont la Colombie, Cuba, République Dominicaine encore, même avec la Grande-Bretagne à travers les îles Turques et Caïcos, etc. Alors, avec la Hollande par exemple, à travers Aruba, etc. Qui fait, lorsqu'il y a une situation, ça, il faut une capacité pour gérer. Et lorsqu'il y a l'armée, et là, il y a une opposition à certaines puissances internationales pour l'armée, pour une marine qui peut contrôler le trafic qui a fait sous la mer. Et bien, il y a toute possibilité pour les armes à rentrer, pour les munitions à rentrer facilement. Ça veut dire, jeudi, si il y a un bagage, nous sommes capables de dire autorité. D'accord pour un renouvellement, mais un ajustement mandat à ce qu'a utile peuple là, à problème insécurité. Et que BINU, Nations Unies, j'ai ouvert les yeux, aidez-nous, évitez les armes entrées avec munitions, quel que soit côté à sortir,
quel que soit par voie ou passé, que vous passez par frontière terrestre, que vous passez par frontière maritime, que vous passez par frontière aérienne, l'entrée dans l'aéroport, etc. Je pense que c'est des systèmes où capables de contrôler en amont et en aval. Ça veut dire que ce n'est pas les âmes dans la fin d'entrée. C'est depuis avant l'entrée. Nous ne pouvons pas isoler le pays, il faut nous faire commerce à l'autre pays. Mais j'en ai là, la priorité donc coopération internationale pour moi-même, c'est freiner van, zam et munitions. Mais quand tu étais déjà là où? Non, sauf fin freiner, quand tu étais là, la fin n'est pas disparaître. Même j'en ai utilisé tout le temps, pep, la fin n'est pas là encore. Et maintenant, si il y a une opération qui a fait pour désarmer les gens, si il y a un appel qui est lancé, CNDDR, li fait une motivation, même si vous avez 10-15% de monde qui volontairement remettent des armes, la police, dans le cas d'état de siège, récupérer des armes, arrêter les bandits, ou pas gagner, source capable d'alimenter bandits ou bien l'autre bandit, l'autre pépinière bandit pour mettre dans la même situation encore. Qui fait premier devoir, première action, je dis, dans une coopération internationale, à travers les Nations Unies ou autre puissance amie, pays d'Haïti, c'est aider nous freiner route zam ak munition cap entrer jodia alors que police nationale pas acheter zam parce que on pas go zam sur Haïti. Bon, même lorsque bah ça fait débat parce que moi qui dis pas aucun embargo zam sur pays d'Haïti parce que si vous besoin zam il y a besoin non gain contrebande parce qu'il faut faire très attention et là on parle de contrebande. Nous sommes parlé de ZAM. Non, mais tu gagnes. Il y a un contrebande de marchandises, tout. Non, mais tu gagnes. Côté que 500 millions de dollars nous perdus. Il y a une autorité qui fait ZAM entrer légalement pour la police nationale, là, non, par exemple. Non, mais contrebande. Non. Par exemple, dans le cas de. Sous la mort, tu as un paquet de ZAM qui est entré pour la police nationale. Même lorsque, en pile dans ZAM, ça, tu n'as pas le droit de retrouver la main. Si l'autorité commande des ZAM légalement, il n'y a pas contrebande parce que faut la police a un équipement tout. Ah ben c'est ça, m'dou, oui. Si son autorité fait dans le cadre légal et puis il au service de la police, parce que quand même il faut un équipement. Mais il ne peut pas mener un combat à tout sans la police. C'est la police, c'est l'État, le gouvernement qui doit un monopole. Il y a des expériences qui disent que pas embargo gouvernement, Jean-Monnet ou Abdi. Pas plus tard que la semaine dernière. Moi, je connais une procédure pour arriver à acheter équipement. Et parce que la police n'a pas qu'à fonctionner tout sans équipement, sans matériel. Mais il y a une gestion d'équipement tout. Parce que faut protéger les policiers. Bien que vous avez dit, il y a des autorités qui sont d'accord pour avoir des armes pour la police, mais pas pour l'armée. Bon, bref, avons l'autre débat. Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, parce que l'armée fait partie de la constitution PIA, et vous ne voulez pas avoir l'armée qui est sous budget PIA. Et yon même yon gen rôle yon capable de jouer dans le combat insécurité. Chaque monde gen rôle yon. En pile fois nous mettons, nous faisons diversion, nous créons vieux petits conflits, barrages de bas étage qui compliquent la situation au lieu de porter solution. Mais M. Paul, est-ce que vous comprenez, Jodian, où était quoi que Haïti, contrairement à ça, le ministre des Affaires étrangères l'a dit récemment, côté que il dit que les bandits sont mieux équipés ou plus équipés que la police ou quoi que nous pas besoin d'une force étrangère pour venir résoudre problème nous et que nous capables de résoudre les même si mandat binu c'est pour t'avoir nous le fort qui t'a gagné un mandat étendu et t'a gagné d'autres options. La donnée, ce n'est pas nécessaire en force étrangère. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais il faut que le mandat soit clair. Parce que ça va le passer. Selon ça que nous comprenons, il va pas avoir des troupes à combattre la bandit. C'est extrêmement rare pour faire ça. Ça, vous voulez faire, c'est vous des experts qui viennent encadrer les policiers. Vous le voyez déjà, vous avez un clair déjà. Qui ça, vous n'avez pas attendre? Il y a peut-être une réaction forte. Qui fait bandit fait bac pour nous recommencer vivre. Qui fait si gagner en mission cap négocier. Faut que c'est pas pour bail communauté internationale, organisation internationale bonne conscience pour bail une visibilité, pour bail une apparence que APD Haïti mais problème n'arrêté même genre. Faut le toucher à point sensible là. Point sensible là, moi dis premièrement, c'est van zam nan.
Deuxièmement, c'est action qui doit être faite pour mettre les bandits en déroute. Équipement. Faut policier gain équipement, faut mettre en confiance. Faut bailler des primes d'encouragement. Faut payer au plus bien. Gain une liste de mesures qui capable prendre, faut une campagne de sensibilisation tout pour population qu'on est qui rôle l'a jouer. Faut associer population en bas. Pas envie courir qui te payer alors dans des bandits gain plus armes que bon qui côté me pour mal. Non, parce que est-ce que l'idée va passer le temps pour pas voir. Non, mais je pense même dans cas dans un moment, bon, l'autre moment difficile dans la vie, moi, je fais 6 ans en caché, je ne vais pas choisir. Arrêter à vivre en exil, je ne vais pas choisir ça. Je ne vais pas avoir une option qui te paye. Il n'y a pas qu'on y a là, je ne vais pas faire. Je ne vais pas option ça. Mm-hmm. Et bon. Le monde qui fait là, il n'y a pas contre ça. Non, je respecte ça. Je respecte ça. Je comprends ça. Et chaque monde a un choix, chaque monde a une réalité. Il y a des gens qui ont des familles, des teams, des gens qui ont grandi, etc. C'est une situation difficile. Les gens ne sont pas faits pour juger, les gens ne se comportent pas. Ou même vous ne pensez pas à ça, Dieu merci, vous n'avez pas gagné environ, et vous n'avez pas gagné avant, ce n'est pas qu'on a pour gagner. Mais par exemple, vous avez dit dans les nouvelles qu'il y a 12 de plaques qui sont dans la machine bandit, machine de la police, corps diplomatique, service de l'État, c'est avec les bandits à opérer, ajouté à un certain nombre de véhicules que bandits saisis, nommé la police. Qui ça dit, M. Paul? Ça fait partie de débandade là. Ça fait partie de crise là. Ça fait partie de déroute l'État. Et que gens pour réagir, il faut gagner des dispositions pratiques qui prennent, même pour contrôler les machines de police qui sont dans la rue. Et je pense que des mesures. Normalement, même là, on a parlé d'action citoyenne. Toute stratégie pas qu'à dévoiler non télévision non radio. Même penser que c'est pas seul pays côté bandit qu'on fait action, il y a pour machine police, il y a pour plaque etc. Mais ça qui inquiète les citoyens, c'est l'ordi, c'est eux même qui pour veiller côté machine police là. Or un bandit qui dit machine non mais au tel côté. On parle avec le premier ministre Ariel Henry. Oui, on parle avec. On va jambal faire petit conseil. Bon, l'on va y conseiller, l'on dit on fait un bagaille, on dit le fait, mais on va y un pouvoir pour faire le fait. Vous comprenez? L'on va y conseiller, l'on rappeler, vous entendez bien, l'on rappeler la situation que nous vivons aujourd'hui, qui ça le dit? Je ne vais pas vous dire tout le bagaille. C'est difficile pour me dévoiler qui conversation. C'est ça, me dit oui. Mais ça me capable de dire, qui ça sorti comme impression? Ça me capable de dire où? Pas grand entente. Dans la conversation, parce que moi, je fais un constat de bagaille au pape marché. Et lui-même, il a un autre point de vue, parce que lui, sous pouvoir, oui, mais pas dit que il a une autre réalité. Pas dit que lui, il a l'impression que ce n'est pas aussi grave que vous le croyez, M. Paul. Pas dit le constat, mais lui, penser le travail, la privé, puis bagaille l'a dégradé. C'est là comme tu as dit. Ou pas content de on parle là ici que les boucan est en bruit. Vous autres dans marché. Dis quoi, première fois m'entendre c'est dans bouche président Jovenel Moïse. M'a contenté l'avant. Oh là longtemps. Il là longtemps. Et monde qui vient avec expression ça sont anciens militants qui étaient non bon groupe que les causes peuple que les Charles Suffra. Dis quoi c'est monsieur venir avec bagay boucané tanboui ça qui sont expression haïtienne qui ça lié les maman ou bien ma tante ou grand nous saute dans marché manger à boire pour temps pour le cul et puis bon rabadou bon gè mou yon rabadou non oui on rabadou oui très bien me connaît rabadou à kasa ou bien sucré on bon siwo on bout canon mango pour manger ou bien alors me dégon l'âme dégon problème d'interprétation parce que me pensais que c'était son proverbe qui est adapté par exemple à maï ou ka boukane maï pour manger en attendant maï moulin ou bien maï bouilli ouais, comme ça etc. Ou ka boukane patate tout oui alors oui. Banane tout ou ka boukane banane tout ou ka boukane l'âme tout expression plus large que ça c'est ça les questions soutenues ça dit que c'est pas faut pas prendre exactement à boucaner hein, son bagage en attendant. Mais dans le contexte de la sécurité, dans la situation haïtienne, est-ce que boucaner ou qu'est-ce qu'on ne pas capable de plan à moyen et long terme, faut une action à court terme et c'est de ça. C'est là que capable gon divergence avec le premier ministre là, on a l'impression de penser que bagage là pour le fait, nous en route, n'a pas venir.
Mais pendant que nous avons des gens pas attendre, il y a kidnappé les gens, il y a tué les gens. Il faut que nous agissions tout de suite. Et il faut faire des choses d'envergure qui mettent les gens en confiance, qui inquiétaient les bandits. Là, dans le moment où je parle avec vous, là, monsieur, que monsieur Ariel Henry est capable. Dépendamment de l'occupation, parce que bon, vous êtes premier ministre, vous connaissez que dirigeant pays, et en quelque sorte, c'est en pile activité, en pile lettre pour que en pile bagaille. Donc, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour la suivre. Même penser que il y a un secrétariat, il y a un bureau de communication, il y a des ministres qui ont des oreilles. Probablement. Qui sont des. En plus de son deal, déjà, on parle avec les seuls à seuls. Qui message vous pensez que tu as supposé joindre ni jodi à là? Qui ça monde cap suivre nous t'a doué Aldi monsieur Ariel Henry? Faut l'agir et agir tout de suite. Faut le montrer c'est lui qui est en charge de pays. C'est lui qui a responsabilité pays. À bon fin parler.